Bonjour tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Redemption épisode 4 je crois. Donc voilà, c'est la suite du Let's Play, donc si vous n'avez pas encore regardé les premiers épisodes, je vous invite à aller voir dans la playlist que j'ai fait exprès pour ce Let's Play. Donc je vais pas perdre de temps à faire une intro trop longue. Alors on va directement y aller. Donc dans le dernier épisode on avait fait des missions pour le Marshal. On était allé abattre des criminels dans le canyon je crois. Et voilà, donc là on va travailler pour Bonnie. On voulait le faire dans le dernier épisode mais il était pas l'heure. Donc là normalement ça doit être bon. Allez, c'est parti. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Ah, said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Allez, c'est parti. On va ramener le troupeau dans son enclos, voilà. Oups, j'ai pas fait exprès.
Bon, bah, on recommence. Je pensais pas que j'allais la tuer. Je l'ai même pas vue à la base, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave. Donc, je l'ai peut-être pas dit au début de l'épisode, mais tel que vous avez l'habitude, mettez la vidéo en plein écran. C'est beaucoup plus simple pour lire les sous-titres en fait. Donc voilà. Même si vous la mettez pas en HD, c'est pas grave. Mais pour lire les sous-titres, c'est un peu plus simple que rester en écran normal. Suitable matches. I guess I'm married to this ranch, for better or worse. And I'm too old now. Oh, you're a small town snob who thinks she's better than everyone else. Absolutely. And second to Mr. Young, you are our century's finest psychoanalyst. Good to see you, Miss McFarlane. Whoa! Whoa, whoa! Ah, je me rappelle que la première fois où j'ai fait le jeu. Ces missions, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? Si j'ai pas acheté le jeu pour faire ça, ils font quoi? On va galérer, je crois. Vraiment. Je pense que là, si on recommence plusieurs fois la mission, je vous la passerai évidemment au montage, mais. Attendez. Bon, bah, le dernier épisode était palpitant, il y avait des tirs et tout ça, des fusillades, mais là, bon, c'est un petit épisode pépère, je sais pas ce qu'ils font. S'ils pouvaient se manier, ça m'arrangerait, en fait. Attendez. Ah d'accord, il fallait qu'ils soient sur la route, en fait. Ok. Bon allez, on pourrait aller plus vite. Bon, moi en tout cas j'espère que ce let's play vous plaît. En tout cas moi je prends énormément de plaisir à le faire. C'est juste kiffant. Franchement, j'adore. Que ce soit Red Dead ou GTA, hein. Faire une vidéo de toute façon, j'adore. C'est vraiment kiffant. Et j'espère que ça vous plaît parce que je fais ça aussi pour vous plaire. Pour que ça vous plaise, pour que ça vous divertisse. Et voilà. Oula, il y en a plus là. Je crois qu'il va se mettre à pleuvoir après. Je suis pas sûr en fait, je me rappelle plus trop. Hop, désolé. Regardez-moi, c'est l'effet de soleil, c'est juste magnifique, sérieux. Avec l'arbre et tout. Franchement, ce jeu, mais je crois que je le dis dans chaque épisode, mais il est tellement beau. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Ah, c'est déjà fini? Ah non, moi je pense. Alors, on va avoir une autre mission aussi, où on va bouger. Des vaches jusqu'à un enclos. Bah c'est cela je crois. Et là il va pleuvoir ça et je crois que c'est un peu plus long. Ok, bon bah je me suis trompé. Bon bah on a le temps de faire une autre mission, on est qu'à 10 minutes. On va aller voir Bonnie, on est à côté. Et puis le prochain épisode on ira voir le Marshall. Le Marshall. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre Dickens quoi. Un truc du genre. S'il n'y a pas une horaire précise, eh bah si. Bon bah on va aller voir Dickens. Revenez juste aujourd'hui après 7h. Il est quelle heure? Bon, on va attendre un peu. 7h de l'après-midi. Et là, on est le matin. Je sais pas du coup si ça marche, si c'est précis ou pas leur truc. Bon, on va aller voir Dickens, on reviendra. Hein. De toute façon, on n'est pas pressé. Alors, je vais mettre un point pour. Vraiment avoir la route exacte, comme ça on va pas perdre trop de temps dans la vidéo. Je pourrais prendre la diligence, mais le let's play c'est pour vous montrer le jeu, le scénario, tout ça, mais. Ah merde, je me suis trompé d'autre. Mais aussi pour vous montrer ces décors, mais magnifiques.
avec de la musique magnifique aussi. Et franchement, je regrette pas d'avoir acheté ce jeu à l'époque. Franchement, il est magnifique ce jeu. C'était une claque pour moi à l'époque. J'espère que sur la PS4, il y aura pas forcément un Red Dead Redemption 2, mais un jeu de la série Red Dead en tout cas. J'espère. Je pense. Vu que ce jeu a marché, je pense que ça va le faire. Je pense vous faire une vidéo aussi, une petite vidéo détente sur Red Dead Revolver. Donc le premier Red Dead, le premier du nom. Parce que c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque. Et donc voilà. Désolé, j'ai mal à la gorge. Même les petites routes comme ça dans les champs. Bah là, on n'est pas dans les champs, mais dans les plaines et tout ça, c'est super. Donc là, au bout, vous voyez le Mexique. Donc on y ira après, c'est plus tard dans le jeu. Qui est pas mal aussi niveau niveau paysage. J'ai préféré un peu plus l'Amérique, mais c'est joli. C'est le Mexique quoi. C'est vraiment une autre ambiance. Putain, je me rappelle moi, je pourrais courir. Oh là, je pourrais courir des heures et des heures sans rien faire en fait. C'est tellement beau, t'es vraiment dedans quoi. Ouais, j'adore. Moi, j'adore. Alors, il est où Deacon? Ce n'est bientôt arrivé, je pense. Regardez les cactus, tout c'est vraiment autre chose maintenant. C'est chaque endroit a vraiment alors pas tous les endroits, il y a des endroits qui se ressemblent comme un autre, mais sa personnalité. Par exemple dans les montagnes à Tall Tree là, je crois que ça se dit comme ça, et c'est là-bas? Ah, trop tard. Ok. Et bah, c'est les montagnes enneigées et tout ça, c'est un peu plus... pas sombre, mais... moins joyeux. Froid. Moins, plus froid. Time to get you to a doctor or an undertaker, whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. Okay. Donc ce monsieur, on va souvent travailler pour lui. Il va nous accompagner dans notre aventure. Longtemps, je crois, si je me rappelle bien. Oula. On va prendre ça. Ah d'accord, je l'avais déjà. Je vois rien. Ok. What the hell happened to you? Bandits, hoodlums, the scoundrels brought me blind and left me to die. I can see that. Once again, a victim of my own success. They seem a man in a well-cut suit if this happens. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. You do now? If so,
so much, and still they take. We live in an uncivilized and graceless world, friend. Our maker has a funny sense of humor sometimes. Still, at least I met you. I don't believe it! Oula. Ah, j'ai raté, mais c'est pas grave. Donc ce monsieur est un vendeur d'élixir, donc c'est surtout un arnaqueur. C'est surtout ça avant tout, on va dire. Et c'est lui qui va nous apprendre, je crois. Oula, attendez, j'ai eu un bug. Ok, voilà, c'est bon. C'est lui qui va nous apprendre à tirer, à cibler en fait les différents ennemis avec le sang-froid. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais surtout vous le verrez dans pas longtemps, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est lui. Armadillo, we made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you, you're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus! But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Et voilà. Donc, on va pas... Il n'y a pas d'émission pour lui. Ah si, Dickens. On fait lui ou le Marshall là-bas? Bon, on va faire... Ah non, je revenais juste après 2 heures. Ok. Ah, c'est chiant ça, l'émission. C'est chiant l'émission... Où c'est une horaire, ça précise. Oh, il est bien celui-là. Oula. Hop, voilà. Maintenant t'es à moi. Allez, go. Qui aime bien descend bien. Ah, je crois que je me rappelle de cette mission. Ah, but you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Oula. Bon, simple cinématique, mais précise en tout cas. Hey, wait up! Il a l'air louche le petit gros. Je sais pas. Alors j'ai déjà fait le jeu, mais c'est vrai que je me rappelle plus trop de tout tout. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he says. Look, vultures. We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Attendez, pourquoi le Marshall lui n'y va pas? Yeah. En gros, c'est allez voir et s'il y a un problème, bah. Don't look too good. So
Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Je crois qu'on peut les fouiller. Non, papa. Franchement, c'est dégueulasse, hein, mais bon. Oula, attendez. Allez, allez, monte. On va pas rater la mission à cause de ça, quand même. Là-bas, il y a des vautours, regardez. Des vautours, c'est... Oui, c'est ce qu'on me dit. Comme ça qu'on dit, je sais plus. Allez, je sais où il faut aller. Ouais, c'est un des vautours. Alors, à un moment, on va aller dans une grange. Ok. Je sais pas si j'ai passé une cinématique ou pas, j'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur un bouton. Ok. Allez, go. En mode elle est noire, nous enquêtons. Là je crois qu'il faut mon cheval, non c'est... Ah non c'est bon. On va l'appeler quand même. C'est où qu'on va? Là? Ah oui, on va aller à la grange. Je parle pas, désolé, mais je suis dans l'ambiance. Merde. Attendez. Ça, c'est pas ma carabine, et je crois qu'il y en a une plus puissante que l'autre. Ah, ok, celle-là est plus puissante. Bon. Oula. Ils sont où? Dans la maison? On va prendre la carabine. Ça fait plus de dégâts. Hop. Oh putain. Allez, allez. Viens là toi. Go go go. Hop. Oui. Allez, tire. Oh non, il recharge quoi. Ok. Attendez. Est-ce que c'est là? Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Derrière ça. Comment on se tient à couvert? Ok. Hop. En fait, lui, il se tient derrière le mur. Ah oui, non. Oh là là. En fait, il est resté bloqué. Et du coup, voilà, l'otage est mort. Bon, bah, on recommence. Un épisode où on rate pas mal de choses, hein. C'est tout con en plus. Alors attendez. Cette fois, je sais où il y en a. Hop.
Hop. Hop. Aïe aïe. Vous êtes mort? Oh non. Ah regardez, j'avais... Attendez. J'avais bien aimé aussi l'effet quand on tire dans les vitres. Voilà, ça casse vraiment. C'est stylé pendant des fusillades, vous êtes caché et tout ça. Ça fait un peu... Bah ça fait un peu plus réaliste, c'est vraiment dans l'ambiance. Bon attendez, est-ce qu'on pourrait changer de côté? Non, pas. Hop. 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 Chat. Mec. Tu gênes. Ok. Ah, j'ai cru qu'il rechargeait. J'allais dire merde. Attends, mec, c'est pas fini. Attends. Oh putain. J'avais plus de sang froid. Aïe. Je crois que c'est bon les gars. Allez hop. Oui, moi c'est le Marshall qui va me rejoindre. Hein. Il va où? Attends-moi papy. Putain, il court plus vite. Encore? Et donc, ça va durer plus d'une demi-heure cet épisode. Donc là, elle nous a remercié à sa façon, mais elle nous a remercié. Pardon. Hop. Ouais. Si on pouvait se dépêcher. To stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Oula. Everybody, take cover! In that shed! Ok, ils se mettent 2 heures à se mettre à couvert. Là-bas. Mais j'ai pas peur, moi. John, faut tirer. Ah, voilà. Ok. Bon, je crois que... Quand Johnny est à couvert, il perd le contrôle. Hop, et toi? Il y en a d'autres. Je me fous, moi j'ai pas peur. Allez, où? On est un cobaye ou on n'est pas?
Ouais, en fait, je commence à avoir un petit peu peur. Allez, allez, allez. Oh. C'est bon. Oui. Ah, j'ai presque plus une balle, j'ai tout usé. Look what I got here. There's something makes you still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Normandy. Je regarde ses délires. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deke. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Et voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'on va conclure cet épisode. Donc moi, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu, parce que moi, je prends vraiment énormément de plaisir à faire ce let's play, à faire ces vidéos pour vous, à faire tous ces épisodes. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît vraiment, parce que moi en tout cas je prends énormément de plaisir à le faire. Donc moi je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.